Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo du deuxième DLC, Le Royaume Oublié. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment débloquer le nouvel archétype, le Convocateur, qui est plutôt pas mal. Alors ici, on est à l'antique canopée qui se trouve à la citadelle oubliée dans Yesha, évidemment. La citadelle abandonnée. Voilà, dès que vous voyez cette image de statue, c'est que vous êtes au bon endroit. Sachant que l'archétype, on peut l'obtenir avant ou après avoir battu le boss final, hein, ça n'a pas d'importance. Mais dans tous les cas, il faudra à un moment donné interagir avec cette espèce de levier. Donc on va prendre le petit ascenseur. Et on va vous montrer aussi par la même occasion comment obtenir l'armure. Magnifique armure qui représente bien la classe du Convocateur. Voilà, alors on va contourner un petit peu ma tour. Hop. Et arriver dans cette salle remplie de sable. À se mettre sur le coin gauche entre deux piles de sable. Vous voyez ces deux espèces de piles de sable? Il faudra se mettre là entre les deux. Et alors, tenez-vous bien, il faudra bien attendre au moins 5 bonnes minutes pour se laisser engloutir par le sable. Là, quand vous voyez votre personnage s'engloutir doucement dans le sable, c'est que c'est bon. Alors voilà, on y est. On va prendre la vieille Tu verras que ce truc intéresserait Wallace. flûte. Ensuite, on va tout simplement retourner au service 13, voir Wallace qui pourra nous débloquer l'archétype. De retour. Il n'aime pas. Voilà, ça vous demandera 5 cristaux de luminite. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce guide et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!